raté. La dernière fois, il me semble que vous étiez pas nombreux à avoir fait référence à la série Supercopter. Bon, en même temps, je vous en veux pas, c'est une vieille série. Mais j'aimais bien la regarder quand j'étais gamin. Alors du coup, aujourd'hui, je vais faire référence à une autre série. Encore une vieille série. Cette fois-ci, on va s'attaquer à construire K2000. Ça vous dit quelque chose, K2000? Michael Knight, Kit, non? Bon, si ça vous dit rien, c'est pas grave. Hein. Vous irez regarder sur Internet. Bref, du coup, aujourd'hui, on va construire un autre bolide. Donc, cette fois-ci, ça va être une voiture. Et donc, on va construire la voiture de K2000. Et vous allez voir, je pense que ça va être bien. Allez, c'est parti, on va déjà attaquer le socle de K2000. Là, je pense que ça fait déjà un beau socle pour K2000. On va mettre le siège pilote par ici. Applicable. Par contre, dans la voiture K2000, il y a toujours un siège passager. Eh oui. Voilà, on va mettre le siège passager ici. Bon, bah moi, j'aurai pas de passager, mais c'est pas grave. Et on va essayer de faire le tableau de bord. Vous allez voir, ça va être stylé. Voilà, impeccable. On dira qu'ici, ce sera Kit. Vous savez, dans K2000, en fait, la voiture, elle s'appelle Kit. En fait, c'est l'ordinateur de la voiture qui s'appelle Kit. C'est quand Michael Knight, il appelle sa voiture, il fait « Kit, je suis au garage, viens me chercher. » Et la voiture K2000, bah, elle y va tout seul le chercher. Non, ça vous dit toujours rien. Alors aussi, il va falloir qu'on essaye de faire un truc assez stylé, parce que la voiture AK2000, elle est pas toute carrée, elle est un peu arrondie. Et je crois qu'il me semble que la voiture, c'est une Corvette, si je ne m'abuse. Je sais plus en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cette série. Mais en tout cas, c'était trop bien. Voilà, on va essayer de faire un genre d'arrondi comme ça. Ça peut être sympatoche, impeccable. Ce sera un genre de pare-choc. Un petit peu. Là, on va y mettre deux sièges à l'arrière. Impeccable. Comme ça, nickel. Après, on va repeindre tout ça. On va essayer d'être le plus fidèle possible à la série. Vous allez voir, ça va être un truc de malade. On va bien sûr faire les portières. Alors, pour faire les portières, je pense que j'ai ma petite idée. Vous allez voir, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux faire. Mais moi, je me comprends. Genre, on va faire comme ça. Là. Voilà. Impeccable. Bon, maintenant, on va bien attaquer comme il faut les portières. On va se mettre dans l'ambiance. Kit, est-ce que tu me reçois? C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça dit comme ça? Ah, ça dit que là-bas, il est pas dans le bon sens. Alors. Eh ben, impeccable. C'est plutôt pas mal. Pour l'instant, il prend de la gueule, notre K2000. Alors, on va faire pareil à l'arrière. Ok, c'est cool, nickel, impeccable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire également un arrière arrondi. Je veux faire à peu près pareil à l'avant qu'à l'arrière. Impeccable. Oh, à l'arrière, on va mettre des trucs comme ça. Je pense que ça peut... Ah non. Ah bah, je le voyais pas aussi gros que ça, le bordel, mon vieux. Ah ouais, effectivement, il est un peu... Il est un peu gros, ouais. On va remettre des trucs comme ça. Yes. Pour l'instant, c'est à peu près pas mal. C'est à peu près ce que j'avais en tête. N'oublions pas les détails, bien sûr. Ici, ce sera... Il y aura genre une petite sorte... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ici, il y aura genre un petit accoudoir à l'arrière. On va le raccourcir un petit peu. On va le faire comme ça. Voilà. Impeccable. Yes. Je vais faire une boîte à gants ici. Dehors. Mais une boîte à gants high-tech, mon vieux. Bah ouais, parce que la voiture de K2000, t'inquiète, c'est tout électronisé. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va mettre un interrupteur ici. Là, on va mettre deux ordinateurs comme ça derrière. C'est pour faire bien stylé. Attends, attends, comment je vais faire ça? Regardez. Regardez voir, regardez. Mais non, dégage. Arrête de t'asseoir partout. C'est pas le moment. Celle-là, on va la relier là. Celle-là, on va la relier là. Celle-là, ici. Regarde. Alors, elle est pas belle, ma petite boîte à gants, là? Hein? Là-dedans, tu peux manger ton McDo dessus, ton Quick, tu peux bouffer tout ce que tu veux dessus, là. C'est impeccable. Je pense qu'on va essayer de faire un pare-brise. Mais un pare-brise bien stylé, tu vois ce que je veux dire? Voilà, regardons. Hein? Il est pas beau, mon pare-brise de K2000, là? Alors, je vais en mettre un également à l'arrière. Là. Impeccable. Nickel. Allez, on va attaquer le toit. C'est parti. Bon bah écoutez, j'ai plutôt envie de vous dire que c'est pas trop mal pour l'instant. Regardez ça. Alors, il est pas beau, mon K2000? Impeccable, oui. On va faire le toit, on va faire comme ça. On va bien faire comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on fait un toit au vent ou pas? Oh putain, c'est délire. Oh mon vieux, c'est K2000 nouvelle génération. Là c'est K2016 là. Tu vois, c'est le K2000 revisité au goût d'aujourd'hui, quoi. On va y faire des roues à notre K2000, tu vas voir. Voilà, on va faire ça comme ça. Impeccable. Attends, là par contre, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Non, non, on va pas les mettre là. Bon, bah c'est impeccable comme ça. On va mettre des bonnes roues de K2000, comme ça.
Par contre là je vais avoir un souci là. Je vais peut-être faire ça. Voilà. Là ça va être pas mal. Par contre je sais pas si ça va tourner comme ça. Je vais essayer de faire comme ça. Yes. Là ça devrait tourner. Et bien, impeccable. C'est nickel. Bon alors après réflexion, je sais pas trop à quoi ça ressemble. J'hésite entre K2000 et le camion de l'agence Tourisque. Et mon camion de poubelle qui passe tous les lundis matin. Bah alors qu'est-ce que ça donne si j'ouvre les portes? Bon bah déjà quand j'ouvre les portes, c'est parfait. Alors par contre, je vous dis direct, K2000, il est noir. Il est tout noir. Donc on va le faire en noir. Allez, let's go. Et ce délire, je sais même plus où il est le devant, où il est le derrière. Je crois bien qu'il est là. Ah, par contre, on a oublié le détail. Eh ouais, le fameux détail, c'est que K2000, il a une bande rouge devant comme ça. Regardez. Là. Là, c'est K2000. Il y a tout le temps une bande rouge qui clignote comme ça devant K2000. Toujours. Hein? Alors, c'est pas trop mal? Non? Tiens, on va peindre ça aussi en rouge. Ça va être bien stylé. Là. Impeccable. Alors, nickel. Hein? Il est pas beau mon K2000 là? Alors, j'ai oublié un truc essentiel quand même. Ouais. Un moteur? Non? Moi je m'en souviens, la voiture à K2000, elle fait pas trop de bruit. Donc on va mettre un moteur électrique. On va en mettre deux. Ouais, parce que K2000, hein? C'est K2000 mon vieux. Qui dit K2000 dit qu'il y a de la patate, hein. Sinon c'est pas K2000. Bon, on va faire ça. Voilà. Là ce sera pas mal. On va mettre ça à fond les ballons. Qu'est-ce que ça donne là? Si je rentre dans mon K2000 un petit peu. Oh, comment c'est stylé! Attends, par contre les sièges de K2000 ils sont noirs aussi. Hein. C'est quelque chose que j'ai pas précisé. Hein, voilà. Voilà. Impeccable. Là c'est K2000. Tiens, ça aussi on va le mettre en noir. Sauf kit. Kit on va le mettre en rouge. Bon bah c'est plutôt pas mal. Ça a de la gueule comme ça moi je trouve. Qu'est-ce que ça donne? Là si j'appuie sur 2, ça ferme les portes. Voilà. Ça c'est parfait. Y a moyen que je me mette en vue intérieure avec. Voilà. Si j'appuie sur 1, j'ai ma table pour manger mon McDo. C'est impeccable. Au cas où on reçoit un passager. Alors. Ça démarre. J'aurais pas oublié de raccorder une roue là. Impeccable. Alors. Hein? Qu'est-ce que ça donne maintenant? Ah ben impeccable mon vieux. Je délire mon vieux. C'est la musique de K2000 ça. Ah par contre K2000 il a un mode turbo. Voilà. Là c'est bon. Eh ouais, s'il n'y a pas de nitro c'est pas K2000 mon vieux. On va mettre un interrupteur pour la nitro. On va le mettre bien entendu à l'intérieur. On est d'accord. Impeccable. Alors nickel. Qu'est-ce qu'elle était bien empêche cette série. Je la regardais tout le temps. K2000 mon vieux il... Hein. C'est pas K2 km/h, hein. C'est K2000. On est d'accord. Impeccable. Nickel. Bon bah il sort un petit peu. Non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ah bah voilà. Là ça me plaît plus. Alors voyons voir ça. C'est parti. Impeccable. Regardez, il est stylé mon K2000. Alors c'est parti. Merde. Ouais, c'est délire mon vieux, il s'envole. Attends, j'appuie sur le mauvais bouton. Je vais re-rentrer dedans. Bah K2000 qui vole mon vieux. J'avais jamais vu ça. Ah si. Une fois, il a volé dans la série. Si, quand il a fait un saut, mon vieux. Lui, il a fait le saut de la mort. Ce délire, mon K2000 qui est en train de s'envoler, mon vieux. Attendez, je vais rentrer. Ouais, c'est bon. Il est calé. Merde, mais non, mais qu'est-ce que... Putain, j'ai collé un siège dessus, moi. Voilà. Allez, on va rentrer là-dedans. On va faire un tour, là, voir si si ça booste un peu. Merde, putain, je me suis encore trompé de bouton. Pourquoi je sors à chaque fois? Je veux arrêter les réacteurs et j'appuie sur E. On va le rattraper. Yala. C'est bon, je l'ai. C'est bizarre quand même. Comment c'est que ça se barre en couille comme ça? Peut-être qu'il manque un truc mon vieux. Peut-être. Peut-être de la patate mon vieux qui manque. C'est bien possible. C'est fort possible même. Je pense que ça va y rajouter un peu de stabilité.
y a moyen. Ouais. Oh, regardez ça, c'est stylé, hein, franchement. Hein? Moi, j'aime bien. Franchement, bien. Alors, 2, c'est pour fermer. On va y aller tranquille. Ah, je vous jure, c'est un... Ils sont pas bien symétriques, mes réacteurs. Je vous jure que c'est un mélange du camion de l'agence touriste et de K2000. Et de mon camion de poubelle qui passe tous les lundis matin. Mais bien. Vas-y, délire, mon vieux. Hein? Alors, au moins j'ai réussi à le remettre debout. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti, mon vieux. Bah, regarde ça, mon vieux. Je m'envole avec le K2000. Je délire. Attends. Arrête-toi. Merde, putain, j'ai encore appuyé sur E. Merde, j'ai appuyé sur E, arrête. Oh, le délire, mon K2000. Mon K2000. Non, mon K2000. Mon K2000. Non. Oh non. Mon K2000. Ce délire. Mais pourquoi j'appuie sur E à chaque fois? Mais il n'était pas censé s'envoler, mon vieux. Oh, il redescend. Il redescend. Regardez, il bifurque. On va le suivre. Je délire, il va s'écraser. Il s'est écrasé. Il est là-bas, regardez-le, il est là-bas. Ce délire, mon vieux. C'est bon, il est coincé. Eh, mais faut que j'arrête d'appuyer sur E. C'est 3 pour arrêter les réacteurs. A chaque fois, je me trompe de bouton. Viens ici, salopard, va. Bah, refais-moi pas un coup comme ça, mon vieux. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Kit? Kit, c'est le nom de l'ordinateur, normalement. Bah, tiens. Va donc. Eh, c'est le K2000 du futur. C'est le K2000 du futur. C'est un truc de malade. Regardez ça, je m'envole avec. Il est pas beau, mon K2000. Alors, il est là ou il est pas là, le K2000? Moi, je dis qu'il est là. Hey, alors, bon, faudrait quand même qu'un jour je construise un garage pour ranger toutes mes œuvres d'art. Ouais. Ça, c'est du grand Picasso, mon vieux. Même les plus grands constructeurs de voitures, ils rivalisent pas. C'est mort. Bon, très bien, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la partager, ça me ferait plaisir. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et je vous dis, ciao tout le monde, bye.